c'est Freeze. Bonsoir à tous, coucou. Coucou Valou, enfin comment j'étais impatient, oh. J'étais impatient, mince. Coucou Mixou et coucou Damien. Coucou Damien, je t'ai pas vu tout à l'heure. Si je t'ai vu. Coucou Valou, coucou Zioniman, coucou Mixou et coucou Ticoche. Coucou, bah c'est tout je crois. Attendez. Attendez, je crois que j'oublie personne, hein. Coucou Whitey. Belle bonsoir à tous en tout cas, je vous open la file. Bonsoir Kevin. Comment vas-tu, Kevin? Coucou Nas. Salut. J'espère que vous allez bien. Que vous allez parfaitement bien, bien sûr, comme d'hab. Hein. Kevin qui monte ton idée qui pue la mort à chaque fois. Hein. Avec un indicateur un petit peu en trop dans son idée. Un indicateur un petit peu personnel, bien sûr. Charles, excellent. Excellent. Alors, bah on commence, hein. Petit niveau de Ticoche pour commencer. Je crois que j'ai peur parce qu'il avait l'air tellement fier de son niveau que moi je ne suis point fier. Tu t'es trompé de jeu, mec. Non. En vrai, c'est vrai qu'on pourrait jouer à Monster Hunter la démo après. Mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, non, on va pas y jouer, la mienne, pas vrai. On va pas y jouer, non. C'est toi qui vas y jouer, c'est ça. Tu prends ma place, tu t'achètes sur la chaise et tu scrimes ma place, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça que tu veux dire. Putain, il a marre. Hein. Il a marre. XIG. Ah, y'a des us limités sur la démo. Quelle bande de connards. Quelle bande de cons. Q6. C'est pas grave, tu l'as redéel. Mais c'est par contre, donc c'est pas un problème, non. C'est pas par Switch. C'est par Switch ou par contre. Qui pue la mort. Rappelle-moi, Jutz, qui se fait tout le temps bouffer en premier sur des BD déjà. C'est moi. Mais c'est parce que je sens bon, justement. Fais bouillir, fais du ski. Todd arrive dans une topinière, quête rouge. Ah, excellent. Je suis sûr que ce code fonctionnera un jour, j'essaierai tout jouer. Je suis pas sûr, Kevin. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr parce que, en fait, le 0, enfin le haut, Kevin, c'est un 0 normalement. C'est pour ça que ça marche pas. Tu devrais essayer avec un 0 à la place. Parce qu'ils ont pas mis le O et le S pour pas confondre. Donc, essaie au moins de mettre un 0. Peut-être qu'il prendra en fait. Suppose insulte gratuite. Je suis gentil, moi. Alors, Kevin, tu cherches la merde. Parce que là tu cherches la merde, t'es au courant de ce qui s'est passé hier, t'es au courant et tu vas l'énerver, fais gaffe. Coucou Ju. Bonsoir à toi. Ta poète, 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 le micro jeune. Comment vas-tu? La qui tue? Quoi? Oh de belle. Coucou, je suis réveillé pour une fois. Mais t'es tous en réveillé, tu viens toujours à l'heure en vrai. Enfin un peu plus tard des fois. Mais ça va. Coucou Fuxmo, bonsoir l'ami, comment vas-tu? Je me suis niqué comme un connard. La Cobos. Tiens, tiens, tiens. Yeah. Bon, je suis mort comme un con. C'est pas dur, mais je meurs parce que. En fait, c'est pour le fun. Vous comprenez? Faut toujours du fun. C'est quoi ce bordel? Trop de pièces. C'est effrayant. Non. Je vais te buter, je vais tuer tout le monde en fait. Je vais tuer tout le monde, c'est mon but dans la vie. Enfin, c'est mon but dans la vie. Dans le jeu vidéo, hein. Vous inquiétez pas, hein. J'ai failli mourir. Pognon. Youhou. Ah. 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 Oh dia! Oh dia! Nom de Dieu! Non! J'ai vraiment flippé ma race. J'ai vraiment flippé. J'arrive sur, je vais tuer tout le monde. C'est mon but dans la vie. Ouais, c'est un peu bizarre, Foxy, je comprends. Mais ne pars pas, reste avec nous. Toi, je te tuerai pas, promis. Promis, Foxy, reste avec nous. Coucou, comment vas-tu? Non, 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 partez pas parce que j'ai dit ça, c'était une blague. Do you speak English? Just curious. I can speak a bit of English. A little bit. But I will speak French for the live. Hello my friend, how are you? C'est juste que je mets en intro de mes tryhards, car tu vas tryhard. Ok. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien en vrai. Mais c'est parce que je suis fort, ça. Enfin. Là, il y a le label. Je vous rappelle, il y a le label ici, là, qu'on ne respecte jamais, bien sûr. Et là, il y a le karma, que lui, on respecte toujours, par contre, parce que lui, il ne nous respecte pas. Donc on essaie de le respecter pour voir si un jour il va nous montrer de respect, mais visiblement c'est raté. Ça va et toi d'habitude, je suis dans un semi-coma à cette heure-ci. Lol. Eh ben ça va, je suis dans un semi-coma mais ça va. J'étais chez le kiné ce matin, j'ai un peu mal au dos, tu m'étonnes. Ouais mais c'est pour la bonne cause, le kiné. Il te fait mal et puis après ça va mieux.
You're from Canada? Ok. Nice, nice, nice. Bah, hello to you, my friend. Hello, hello. Like, c'est vrai que c'est Kevin le vrai boss, c'est Keke. Vous pouvez pas comprendre la vanne parce que c'est une private joke, mais c'est vraiment Keke le vrai boss. Hein. Québec a some Canadian French here to I'm on the south side. Ok. Ok, ok, ok. Ta-ta-ta-ta-ta. Bon, faut qu'on pas qu'on meure en fait, parce qu'on a bien géré là. Faut qu'on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est un pixel jump, ça je connais. Et tu me refais ça une seule fois, je te casse la tête. Attends. Oh, oh. Faut que je le lutte. Ah, la shell. Ok, c'est win. Dégage. Non. Attends, c'est un champignon. Une étoile. Ah non, mais c'est embêtant ça. Alors. Si t'y coches, je te préviens. I warn you, my friend. Si l'étoile, j'en avais besoin pour après la porte. Ben rien du tout en fait. Non, rien du tout. Je suis un peu de luck du turfu, ouais. Bon appétit à toi, Nico. Coucou, l'ami. Bonsoir, coucou, Wapa. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher ami? Parce que là, j'étais dans le fion en fait. Parce que moi, je comptais prendre. Attends, c'est pas fini? Peut-être que. Ah, j'ai plus l'étoile en fait. Oh, tous les moments pop. Oh non. Oh là. Oh là. Oh, oh, c'est effrayant. Non! C'est pas grave. C'est grave! Mais c'est grave! La cam, connard. La cam, elle a pas prise, elle est là, la cam. Je suis deg. La musique, pardon, excuse-moi. C'est vrai. Tac. Like a boss, eh. Oula, il est vénère. Tu sais pas jouer, Jack. Si, je sais jouer. J'ai fait exprès pour vos yeux. C'est volontaire. Je veux jouer. Je veux jouer, je dis. Ok. Ah bah elle bloque la chaîne, bah oui, c'est évident. J'étais quand même à la fin et je suis mort hein. C'est vraiment dommage hein. Alors que c'est facile hein. Mais il rebondit dessus. Ouais c'est ballot. Bah oui. No problem Bolt, no problem. It's okay. Sachez que j'ai toujours mon poil dans le pouce, hein. Toujours embêtant, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faut que je tue les mobs, il faut que je bute tout le monde. This song is pretty nice, yes? Very nice. Il faut que je bute tout le monde, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre notre temps. Voilà, et on va gagner. Alors, le temps n'est pas pris, là, par contre. Ça, c'est vraiment nul. Nul, nul, nul. Nul à chier. Bordel de merde. Mais oh mon dieu. Oh mon. Oh c'est incroyable. C'est fini déjà? C'est fini. Un bordel sur le nom, ça devrait être le nom de ton niveau. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est sympathique. Moi, j'adore les niveaux comme ça. C'est plutôt cool. Dommage qu'il y ait beaucoup de tops. En plus, t'as mis des tops parce que je crois que c'est beau. Il a un petit peu les tops en horreur. Putain, je vais la rater 50 fois, vraiment. Ouah, de... Ouah des... Ouah chat ta. Je suis mal au cœur. Non. 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 Chat... Waouh. Pardon.
Mais tout me fait peur. J'ai vraiment peur pour ma vie. Oh non. Arrête. Arrête. Non. Mais pas comme ça. Mais de toutes les façons que tu veux, mais pas celle-là. Mais... C'est vraiment triste, hein. Je vais remettre le son du jeu quand même, parce que le silence, c'est chiant. Ah, c'est abusé là quand même, non? Mourir comme ça, c'est quand même un peu abusé. Je trouve, hein. Sachant qu'on est encore bien, parce que c'était fini là, quasiment. J'en ai marre d'attendre. Ce que je crois pas, c'est du bon gameplay, bon. Okay. Ah, j'ai tapé le bloc, j'ai pas compris en fait. Je m'attendais à remonter et je suis pas monté. C'était en mode ASMR un peu, ouais. Non, mais ça fatigue là, j'avais fini encore. Hein. Tu sais que je me suis fait baiser à cause de ton étoile tout à l'heure. Hein. Parce que j'ai pris la porte à cause de l'étoile. Hein. Hey. Mais putain, je tue là! Zen, zen. Le jeu est bien, le jeu est parfait, le jeu est bien fait. J'avais fini le niveau tout à l'heure en 3 tries. Putain. Je vois rien, putain, mais je vois rien. Il y a des effets partout, il y a même pas d'effets en plus, n'importe quoi. À moquer. Mais je suis un connard, j'avais déjà fini le niveau normalement, j'en ai marre de moi. De faire une connerie à la con, ça c'est typiquement moi, j'ai fait le niveau parce que je suis fort et après je fais de la merde parce que je suis un débile. C'est insupportable d'être moi. Ne soyez pas moi les gars. Ne soyez pas moi, hein. C'est fatigant d'être moi. Le niveau était terminé, mais il fallait que je fasse de la merde, comme je sais si bien faire. Et toi, je vais tous les buter. On va recommencer, on va tous les buter. Je suis là, hein. Sois pas bourré. Par contre, ouais. Ne cheat pas trop non plus. Hein. Mais... Cette manette est bien, mais il y a un problème. J'ai envie de la jeter parce que... Elle a une prise équivoque au jeter. Du coup, j'ai envie de la jeter. C'est problématique. J'en ai marre d'attendre, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Je viens de faire un truc magique. Mais la manette, putain. Mais je vois rien. Mais je suis sur toi là. J'en ai marre de ce jeu, j'en ai marre maintenant de ce jeu de merde. Cette manette. Je suis au-dessus de lui. Je suis au-dessus et je meurs. C'est génial, non? Nintendo, yeah. Mais putain de ta mère maintenant! La neige qui m'encule! Non, c'est bizarre ça. Ça, c'est bizarre ça. Faut que je reste zen, hein. Faut pas que je m'énerve. En fait, je meurs parce que j'en ai marre, c'est un niveau de merde. Pourquoi c'est un niveau de merde? Voilà pourquoi c'est un niveau. Parce que je le fais tranquillement une fois et puis après, j'ai même plus envie de me casser les couilles à tuer tous les mobs. Du coup, je remeurs 8 ans et demi. C'est chiant. On avait dit pas les mamans. C'est vrai. Et voilà, j'en ai ras le cul en fait. Je m'en bats les couilles, je vais faire que ça mourir, j'en ai rien à foutre. J'avais fini en 2 tries en tuant tout le monde, et maintenant je n'y arrive plus parce que j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire, tu es ton homme. J'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire, hein, tout simplement. Je veux dire, ma vie est déjà assez nulle comme ça pour m'amuser à tuer tout le monde. On va tuer tout le monde. J'en ai marre de mourir, on va tuer tout le monde. Je suis vraiment une grosse merde. Hein. C'est là où on va mourir niveau de merde, hein. Mon gros fils de pute de niveau de merde, hein. C'est là où on le voit, hein, que je suis une grosse merde. Putain. Ça fait beaucoup de gros mots en si peu de temps aujourd'hui. Ah. Ah. Ah, là je l'ai tué là par contre. J'ai
j'étais aussi au clou de tout à l'heure en fait. Enfin, c'est pas grave. Nintendo, c'est pas grave, hein. Mais j'aimerais bien que vous fassiez les mêmes events pour les mêmes choses, hein, au même moment. Enfin. Eh. Eh, mais toi. Je pensais que ça passerait, putain. Mais oui, mais Ticoche, là, ça me casse les couilles, en fait. Parce que du coup, je ruine l'effet, tu vois. L'effet, c'était... Ah oh, bah, j'ai fini le niveau super facilement, alors que tu croyais que c'était une purge. Haha, lol, MDR. Mais c'est pas une purge, en fait. C'est moi, la grosse merde. C'est différent et ça me fait chier, du coup. Ça nique tout mon effet. Comment je fais, là? Je me mets dans le cul et j'espère que ça marche. Putain... Ah, oh, ça me fatigue. Je sais pas que ça va faire, hein. J'en ai rien à foutre. Si on va mourir 8000 fois, j'en ai rien à foutre, je me dépêche. Mais, par contre, j'ai sauté, hein. À un moment donné, j'appuie sur le bouton. Trois tries, hein, trois tries. J'en suis à 20 tries maintenant, grosse merde que t'es, là. Putain... Ne suis-je pas au-dessus de lui? Nintendo? Ne suis-je pas au-dessus du mob? Pourquoi me touche-t-il? Avez-vous une idée? J'aimerais être éclairé sur cette... Oh allez, nique ta putain de mère. I'm gonna go before I'm getting a head edge from this. Au revoir. Bye, my friend. Bye, bye, bye. Thank you for coming. Bon allez, on arrête par le con, fini le niveau. J'ai pas envie d'avoir de la patience. J'en ai marre d'avoir de la patience. Mais enfin, en même temps, il se passe des choses un petit peu... Enfin, je me tape des enculeries quand même. Hein. Le mob qui passe... Enfin, la top qui passe sous la top sans la toucher, hein. Voilà, alors que tu vois, moi, quand j'essaie de sauter par-dessus la tête de du mob, en fait, sa hitbox me touche, alors que là, la hitbox n'a pas touché l'autre mob, en fait, donc, nique ta mère, en fait. Bah, vraiment, nique ta mère, Nintendo. Nique ta mère. Tu passes Nintendo comme ça, et tu niques ta mère. Vas-y. Parce que j'en ai marre. Ah, mais les toits, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est ce que j'ai failli faire, mais j'ai pas réussi à sauter comme un connard parce qu'il y a de la neige en bas. Oh, mais... trois tries. Moi, je peux pas dire de gros mots. Super. Jusqu'à 35 de live. Trois tries, hein. Trois tries, on est à combien de temps de perdu? 20 minutes, alors qu'on va prendre 3 tries tout à l'heure. Excellent. C'est vraiment un plaisir, vraiment un plaisir. J'adore. J'adore. Être une grosse bouse. C'est vraiment un plaisir d'être une bouse.
Yo Feller Cup, bien le bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Presque, me dites pas presque, ça m'agace encore plus. Honnêtement, ça m'agace encore plus. Niveau de merde. Gros niveau de merde. Niveau de merde, Ticoche. Encore une fois, j'avais terminé, mais je préfère mourir en fait. C'est pour le spectacle, vous comprenez? Sinon, c'est pas amusant si on est trop fort. Nique ta mère! Comment vas-tu, Feller Cup? Ah, faut que je regarde la carte graphique, du coup. D'ailleurs, c'est quoi l'icône de mon pseudo? Ça donne quoi comme perm? Ça donne rien, c'est pour les, le vote? La prédiction? C'est pour la prédiction. Oh, elle est jolie en plus! T'as regardé les performances un peu la merde? Enfin, t'as regardé un petit peu. Qu'est-ce qu'on déco au niveau des composants? Si t'as regardé les composants, tu peux voir s'ils en ont deux, ouais. Si t'en es convaincu. Ah, j'ai sauté, on a entendu. Je me suis cogné. Bon, allez, je me concentre, j'arrête de faire le con, j'arrête de râler volontairement exprès, de manière volontaire. Et voilà. Tant pis, on est une merde. On accepte d'être une merde. C'est comme ça. Parce que niveau facile, hein, je suis capable de finir en 3 tries, c'est juste que je suis une merde. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter d'être une merde. Coucou Sky, bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça coupe paire de paquets. Vraiment? Non, ça coupe pas, c'est toi qui perds le paquet. J'ai pas de paire de paquets là-bas. Je disais, si t'as regardé un petit peu les performances. Ah, j'ai dit des gros mots, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, je rajoute 4 minutes du coup. Donc je rajoute jusqu'à 39 de live sans dire de gros mots. Pardon. Excuse-moi. Si tu as regardé les performances et que tu as regardé les composants, s'ils sont ok, comparé à celles que je voulais, ben pourquoi pas. En vrai de vrai. Là par exemple, je suis mort alors que je ne suis pas censé mourir. J'en appelle au grand pouvoir de Nintendo qu'ils me disent pourquoi je meurs en étant sur la hitbox de la top. C'était pas la trio, c'était la... La Asus TUF que je voulais. Asus TUF Gaming. Allez, on fait le singe. On va tuer tout le monde. Un à un. Voilà. Lorsqu'il veut pas passer par contre, hein, c'est interdit. Ah, parfait. Ah, là par contre. Non, mais parce que là, je vous explique. Je passe à travers la hitbox de la top. D'accord. Parce que j'ai rebondi dessus en fait. Enfin, j'ai traversé. Et après, je passe à travers la hitbox de la clamolette. Et puis quoi encore? Est-ce que tu veux mes fesses? Est-ce que Nintendo veut mes fesses? Peut-être qu'ils veulent mon fion en fait. Peut-être ça. Je crois que c'est ça en vrai. Non, par contre, faut sauter dessus. Ouais, mec, je veux voir niveau composant, niveau résistance et tout ça. Parce que je sais que la TUF Gaming en fait a chauffé beaucoup moins. Parce que le refroidissement était ok. En fait, il faut voir un test plus qu'un benchmark. Si on termine ce niveau, j'en ai ras le cul. J'ai encore dit un gros mot, allez, 40 de live. Ça fait beaucoup de temps sans dire de gros mots. C'est très compliqué pour moi, sachez-le.
Je l'avais fini tout à l'heure, je répète encore une fois. Tout à l'heure, j'avais fini le niveau, hein. Au cas où, hein. Là, ça fait combien de temps qu'on y est? Presque une demi-heure. Alors que je l'ai fini en 5 minutes, hein. Parfait. Qu'est-ce que j'aime ma vie, hein. Allez, hop, timing génial. Ah non, je le fais maintenant, c'est clair et net. Mais j'ai terminé parce que je suis mort à la fin. Parce que je suis mort à la fin comme un imbécile. Ce qui fait que, ben, maintenant on galère. Tu vois, c'est la dure vie de ce jeu de mort en fait. C'est que t'es fort, voilà. Et puis tout à coup, après, tu ne peux plus y arriver, tu ne peux plus. Après, tous les doigts, tu les prends dans ton anus. Voilà, tous, même le poing. Les deux poings d'ailleurs. Tout le corps, tu prends. Les pieds, les poings, tout. Après. Alors que c'est arrivé en 2 trails. Si, je l'ai fini parce qu'il n'y a plus rien après. Tout ça, c'est du pipi de chien en fait. Mais je meurs parce que je suis nul. Et c'est fatigant d'être nul. Moi, j'aime pas être nul, moi. Et ça me fatigue par contre. Mais pourquoi il passe pas, lui? C'est incroyable, il passe pas depuis tout à l'heure. Mais c'est pas une purge, c'est vous, ça me saoule. Coucou, c'est Bouille, merci pour ton sub, pour ton 5ème sub, merci à toi. J'ai à toi et merci à toi pour ton 5ème sub, l'ami. Grand merci. Ça, j'ai gagné des races, mais je suis quand même nul. Je l'ai fait en 3 tries. Je suis mort comme un idiot à la fin. Je suis incapable d'y retourner efficacement. Moi, j'appelle ça être nul. En plus, tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre le temps. Je l'ai pris une fois, j'ai pas envie de reprendre. C'est le niveau qui te tue en fait, le moral. Voilà. Non, j'en ai marre de prendre le temps. Tu sais quoi, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Allez, je rajoute une minute pour le pas de gros mots, 40 minutes. J'en ai ras le derrière là. Je peux en prendre le temps. Tant pis pour nous, tant pis pour vous, tant pis pour tout le monde. Pas que ça à faire. M'embêter. Ah bah quand même. Quand on prend pas le temps, ça marche mieux. Ah, yeah. C'est pareil niveau température, du coup. Bah du coup tu peux m'apprendre aussi. Voilà, ça y est, je craque. Tu peux. Yes you can. T'inquiète pas, je vais éviter. Enfin, j'espère que je vais éviter. Pourquoi je me serais trop, il y avait un bloc caché? Ça m'a fait peur. Fin de musique. Niveau suivant, enfin, hein, on a beaucoup râlé. Niveau de The Only Human. Merci pour les 10 bits. Merci à toi, c'est vrai que j'ai tracé. J'ai fait 50 tries finalement. Moi qui pensais en faire que 3. Yes. Je peux redire des gros mots, ça y est. Cool.
Cool, cool, cool. 8 C2. 1 H7. VXF. Chambers, go through 15 different chambers. Each room is different. Will you escape? Let us go. Merde. Tu as bien aimé la purge? Je peux faire la suite dans le noir par exemple? Bah, c'était pas si dur en fait, c'est juste que j'étais nul. J'étais naze. Ok, donc on peut prendre des pièces, hein. C'est intéressant, j'aime bien. Oups. Faut tomber, monsieur. Ah bah, on peut faire comme ça, effectivement. Yes. Ça marche aussi, hein. Ah. Ah. Chiant, ça. Tata. J'ai pris le ressort, on sait jamais, ça peut être utile. Je suis un chapardeur, n'oubliez pas. Je chaparde des items, moi. Ok, bah, c'était pas très compliqué, hein. Ceci dit. Ok. On a pu gagner du temps avec un ressort, par exemple. Yes. Next to. Ah. Ok. Bah. Sympa, merci. Sympa, merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marrant, ça. Ok. J'ai eu très peur. Je me suis fait prendre, j'ai eu très peur. Coucou Gnomana, belle bonsoir à toi, ami, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? C'est quoi ça? Quoi? Ah. Et je crois que c'est la fin, Finx. Bon petit niveau ça. Très sympa. Très très cool comme niveau. Alors, niveau suivant. Niveau de Fuxmoo. Lala. J'ai beaucoup râlé en premier niveau. Je suis doublement énervé du coup. Je suis énervé parce que j'ai pas réussi à faire un niveau facilement alors qu'il était pas si dur. Et je suis énervé parce que je me suis énervé. Ben. Je suis énervé quoi. C'est bizarre ça. Je suis énervé parce que je suis énervé. Ça m'énerve d'autant plus que je suis énervé. Ça veut rien dire, si. Ça veut dire que dès que je commence à m'énerver, c'est exponentiel. Je m'énerve. Je peux plus m'arrêter de m'énerver. C'est ce que ça veut dire. C'est bizarre. Non? C'est un re-upload, j'ai besoin de tes talents pour trouver des fromages. D'accord. A nautical journey V2. Let's go. Trouvons des fromages. Cherchons à fromager le niveau.
Etrax, coucou Etrax, bien le bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Est-ce que tu as la... Ah, je connais ça, je m'en rappelle. Ah, ça fait longtemps que j'avais fait, je crois. J'avais trouvé un fromage à l'époque ou pas? Je m'en rappelle plus. Ah, c'est dommage. Ça va bien, tranquille, ouais. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, je veux que tu tombes. Merci beaucoup. Non. Je l'ai raté. C'est dommage. Oh, c'est pas grave, c'est pour l'argent. Like a boss. Like a boss. Je fais ce que je veux, ok, ça marche. Y'a pas de fromage pour l'instant, j'en ai pas vu en tout cas. Ça a pas l'air. Chappy, chappy, chappy. Du coup, Zeket, tu es mort devant la fin sur la purge du coche ou pas? Non, je ne suis pas mort. Non, non, non. Ah, ok, faut que je grimpe. Like Dumo. Et paf! Heureusement que j'ai des réflexes, mais vous avez vu ça? Vous avez vu ma vie? Vous avez vu comment ce jeu veut ma mort? C'est dingue! Heureusement que j'ai des réflexes, hein! Bonjour Karma, comment vas-tu? Ça va? Parce que moi le Karma je connais. Vous connaissez vous aussi non? Il est à ma gauche. Du coup, à droite quand vous regardez. Quand vous regardez ma sale tronche. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Hein. Franchement, ça me fascine un peu, hein, je vous le dis. Je suis un peu fasciné par ma chance des fois. Ah, c'est dommage. C'est incroyable. Je suis incroyabilisé. Ce n'est pas un mot qui existe. Hein. Je sais. Mais ça me fascine. Coucou Bobby. Bah non. Enfin, si on aurait pu. Ah. Je fais moi comme un idiot. Allez, grimpe. C'est raté, chef. Youhou, c'est pas ce qu'il fallait faire. Je suis vraiment... Oh cool, un fromage. Je vais vous montrer. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un fromage. Enfin, si, en fait, c'est un fromage. Parce qu'on peut le faire à l'avance. Hein. Je te montre. Hein. Voilà, fromage. Enfin, c'est pas vraiment un gros fromage, mais c'est un fromage. C'est un petit fromage, c'est un petit fromageon. Karma bonjour, ah non mais ce Karma est incroyable. Là c'est vrai que, pas se mentir. Coucou, Tax. Dinoat, Dinot, Dinotitax. Dino. Coucou Dino, bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Désolé, je galère un peu avec le pseudo. Dino, Dinotitax, Dinotitax. Dino, ça sera Dino. Je suis bloqué. Je suis Keblo? Ah non. Ta. Dino ça me va, ok. Ce sera Dino alors. Comment vas-tu, cher ami? Je connais pas cette salle, elle a changé, non? Je me rappelle pas de cette salle. C'est trop loin. C'est trop nul. Alors, j'aimerais bien que le timing soit ok. Non, Todd, s'il te plaît. Ok. Tao, 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 tao. Tao, 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 tao. Oh, je vais me faire écraser là où je rêve.
En bas, il y a l'air d'avoir un truc. On va checker s'il n'y a pas un fromage. Je crois pas. En vrai, ça me paraît compliqué. Bah, il doit y avoir une pièce. Bien sûr. Paf. Il est cool ce niveau. Ouais, ce niveau est très cool. Hein. Oh merde, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Ah. Ah. On va y arriver. Hein. Voilà. On n'a pas de fromage du coup. Ok. Parce que j'ai un hoquet de démon. Alors je peux pas t'aider parce que quand j'ai des hoquets du démon qui sont inarrêtables et que ça fait des comme ça d'un coup, je ne peux rien en faire. Je sais pareil, je suis bloqué. Par contre, les petits, je sais les annuler. Les petits, je coupe ma respiration et ça va. J'oublie pas de respirer, bien sûr, mais je la coupe un certain temps. Je crois que j'oublie une pièce, hein. Je suis très déçu. Ici, Bobby. Bicarbonate alimentaire, ça marche vraiment, ça? Après, faut en avoir. J'en ai pas, moi. C'est pas le niveau de Ticoche. Ok. Ah, d'accord. Excusez-moi. Alors, le timing est à chier du cul. Alors, le timing est encore à chier du cul. Alors, c'est toujours à chier du cul. Ouais, c'est toujours à chier, en fait. C'est bon, là. Ah oui, mais j'étais naze. Mais attendez, on va prendre tout comme ça plutôt. Non. Oh, je suis nul, hein. Oui. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va plus vite. Oh. Non, je peux pas y aller, sinon je suis mort. Non. Non. Oui, I did it. Oh, j'ai le bonus. Le bonus. Bah, ça sert à rien. Excusez-moi, mais... Attendez, c'est pas fini. Voilà. Et pof, très bon niveau, hein. Il n'y a pas de fromage, mais à part celui que j'ai trouvé, je pense. C'est pas vraiment un fromage, tu grattes un seau, quoi, c'est tout. C'est un bon niveau. Très très bon, hein, Fuxmon. Très 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 bon. J'ai trouvé un petit fromage, c'est tout. Pas d'autre, en vrai. J'ai pas l'impression. Niveau excellent, en tout cas. Niveau suivant, niveau de fire. Fire. He can fire. Pardon, ça m'a... C'était rappel de Smash Bros. U. Titididup. 8 et 8. 8 et 3, pardon. BP5. Damien, t'es là? BLF, ou t'es déjà parti chercher les cartes graphiques, du coup? Titididup. Isuck, très bien. C'est bizarre comme pseudo. On a que un autre niveau à faire. Hein. Après, ils sont tous faits chez toi, l'ami. C'est miraculeux sur le hockey et les refus de le Picard. Ok. Je ne savais pas, je ne savais pas. Mais c'est pas genre trop dangereux au bout d'un moment. Après, je crois que le Picard balade alimentaire, c'est rien. Enfin, c'est pas grand chose, quoi. T'en mets partout quasiment, non? Enfin, partout. C'est relatif, mais t'en mets à beaucoup d'endroits. En cuisine. Est-ce qu'il me touche, lui-là? Non. Champignons, fleurs, carrément. C'est joli, j'aime bien. C'est agressif visuellement. T'as pas intérêt à avoir trop saturé ta Switch. Mais c'est ok. Ou ta télé, pardon. Ok. Excuse me. Excuse me. Mais je fais de la merde. Hein. Petite musique de Kevin ensuite. Incroyable. Je pense que je fais la technique de la cuillère et du verre d'eau. C'est quoi cette technique? C'est de te renverser un verre d'eau sur la tête et en te mettant des coups de cuillère? C'est ça la technique? C'est fou. Attendez, il y a un tuyau à prendre là. Oh
En vrai, je sais pas, je mets une quantité vraiment minime. Je mets plus de sel dans mon assiette de frites, par exemple, dans un verre d'eau tiède. Et en général, j'étais tranquille pendant plusieurs jours après. Putain, c'est incroyable. Ok. Bah, c'est intéressant parce que moi, un reflux gastrique, hein, ça y va. Musique de Kevin. Eh, mais on connaît!
Mais comment? Mais comment? Je ne comprends pas comment Crowdy l'a fait en 5 secondes. Faut sauter sur le P, prendre l'autre et sauter sur le P. Que tu as. C'est un P-jump, c'est ça? Ok. C'est donc un P-jump. Effectivement, c'est plus facile par au-dessous. Effectivement, je n'avais pas compris. Je viens de comprendre. Pourquoi mettre des trucs emmerdants comme ça? Pourquoi mettre des bouées dans ce jeu? Don't you cry, do more. Bah c'est pas ça. Pour le plaisir d'entendre les gens crier. Bah je sais pas si c'est un plaisir parce que... Tu vois, moi ce plaisir, l'apparente à de la psychopathie. Les gens qui pensent ça sont des psychopathes. Et Mario Maker est un bon playground de psychopathes, j'ai l'impression. C'est un bon endroit où vous pouvez laisser aller votre psychopathie. Bon, ça n'existe pas comme mot, je sais, mais... Vous m'avez compris. Bon, on va le faire, ce P-jump ou quoi? Est-ce qu'on va le faire, bordel de fion? C'est un peu chiant, quand même, hein. C'est très chiant. C'est très peu amusant. Surtout ce début qui sert à rien à part nous faire chier parce que la difficulté elle est à droite, ça c'est juste pour t'emmerder. Je l'ai repris dans mes doigts. Chapardeur. C'est à peu près comme un flash jump, je crois, le lâcher. Faut juste choper le timing. Dommage. Dommage! Presque ça. Sur ce, moi je live de mon côté, des bisous et soyez sages. Des bisous à toi, Mixouille. Bon live à toi, l'ami. A plus tard, à plus tard. Oh, ça me fatigue. Des bisous, Mixouille. Ah, c'était bon. Mais c'était loin quand même, non? Parce qu'en vrai, je suis loin quand même là de l'arrivée. Je suis quand même très très loin, je trouve. Genre méga loin même. Pff, c'est nul. Parce que non mais j'étais loin. Enfin sur mon P-jump là, mon pied que j'ai mis sur le deuxième P, il est un peu très loin quoi. Faut que je le mette en bas pour que je puisse pas prendre le pic dessus parce que si je fais un max élan après en sautant, je touche le pic dessus je pense. Ça m'entraîne pas, non, ça m'agace. Parce que j'en ai rien à l'échauffer. Honnêtement, hein, je m'en fous de m'entraîner sur ça parce que je trouve pas ça intéressant à faire les P-jumps. Les... Je trouve pas ça intéressant, c'est des mécaniques que tu te sers tellement peu souvent et c'est tellement pas waouh, t'es fort. Non. Pour moi, c'est plutôt waouh, t'es persévérant. J'arrive pas. J'ai commencé à tester Rayman Redesigner, une sorte de Rayman Maker de l'Opus PS1. Ça demande un peu de temps de prise en main, mais c'est ultra complet comme éditeur. Hâte de voir d'ici quelques mois les créations qu'il y aura dessus. C'est fou comme il s'amuse à faire des Mario Maker de tous les jeux. Maintenant, quasiment. De tous les jeux de plateforme. Après, du coup, ça, après c'est intéressant. Hein. Parce que bon, c'était déjà le cas avant, parce que c'était un petit peu underground, on va dire. Mais s'ils font des outils pour le faire, c'est vachement cool, à force. Parce que c'est vrai que Mario Maker il a un petit peu popularisé les éditeurs de niveau de plateforme quoi. Voilà. Voilà. Voilà voilà. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça me fatigue. C'est très peu intéressant. Très très peu.
Nope. Nope, nope, nope. Nope. Coucou Gig, bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Mon frère ne revient plus, il a appelé pour voir s'il y avait encore des CG de dispo. Et il revient plus, du coup j'en sais rien. Je sais pas. Ah, ça va bien, tranquille, tranquille, ouais. Ça va, pépouze. Pélopépouze. Oh, voilà, j'étais beaucoup trop là. Dis, c'est quoi les inputs sur cette manœuvre? Bah, c'est un... Tu cours, tu laisses le bouton de course appuyé. Et quand tu veux lâcher le pot, à le P, tu lâches le P. Tu fais un... T'appuies sur bas et tu fais un... Tu lâches ton bouton de saut. Ou l'autre, je sais plus. Attends, peut-être je confonds. Parce que je fais ça un petit peu instinctivement, que du coup, des fois, j'oublie les boutons que j'appuie. C'est pas une blague. Hein. Ça me fait ça sur beaucoup de jeux. Et je pense que vous comprenez... Vous comprenez le fait que c'est pareil quand on me dit quand on joue à Smash Bros, tu vois, t'as fait quoi? Je sais pas. C'était tout seul. C'est pas moi, c'est mon cerveau, il a joué tout seul. Moi j'étais juste spectateur, moi. J'ai pris mes mains, j'étais l'outil en fait. C'est tout. Aïe 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 aïe. C'est trop chiant, c'est vraiment trop chiant. J'ai pas le temps de sauter, faut que je saute à l'avance. Faut que je sois certain de mon P jump. Parce qu'il faut que je saute limite à l'avance. Tu lâches le grab et tu dois sauter sur le bloc. Ou ça rebondit suffisamment haut sans sauter. Non, faut que je ressaute, hein. Après. Je dois lâcher, je dois marcher sur le P et ressauter. Mais il n'y a pas beaucoup de frames où tu peux ressauter parce que le P, soit tu l'enfonces, soit tu marches dessus et tu tombes après. Pff, ça casse les couilles. Je m'y prends mal, je pense. Hein. À mon avis, je prends trop d'élan. Merde. Je prends trop d'élan, à mon avis. Sur le premier saut. Mais on me le dira jamais si je prends trop d'élan. Si je fais quelque chose de mal, on me le dira jamais parce qu'on préfère me voir mourir 500 fois plutôt que de me dire ce qu'il faut faire. Toujours plus intéressant. Avec plaisir, Giga. Je pourrais, mais c'est trop loin, Ticoche. C'est beaucoup trop loin. Brrr. Si j'achète deux boutons en même temps, ça marche. J'ai jamais essayé, en fait. Ça marche pas du tout. Faut vraiment y acheter avec un timing parfait. C'est vraiment amusant, hein. Qu'est-ce qu'on s'éclate, hein. Vraiment. Vraiment le plaisir, hein. Nope. Qu'est-ce qu'on fait, on recommence? J'ai trouvé la clé cachée en haut, ouais, qui ne sert à rien parce que le tuyau est amené nulle part. Merde. Ta-ta-ta-ta. J'y retourne derrière la clé parce que c'était marrant. Voilà. Ça, c'est le meilleur moment du niveau, ça. Voilà. Là, on s'amuse. Et voilà. Et au fait, t'as vu mon troll là-haut, c'est rigolo, hein. Voilà, on s'est amusé. Et c'est juste de sauter dans le coin des pics, tu t'en fous du P. Mais c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin, Ticoche. Je vais essayer, mais c'est méga trop loin. Hein. Coucou Elscream, bonsoir à toi, ami, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Hop là, j'essaie au max, mais c'est trop loin. Hein. C'est beaucoup trop loin. Mais même comme ça, en vrai, même ce P-Jump me paraît loin. C'est ouf, il me paraît méga loin. Il a mis des pics au-dessus aussi, hein. Au cas si tu réussis trop bien ton saut. Comme ça, tu peux mourir. Forcément. Merde. Mince, mince, mince. Je pensais que c'était le P qui devait toucher l'arrivée. Je me suis trompé. C'est moi qui dois la toucher. Atei. Tap, 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 tap.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce P-jump là, tu sais jamais quand est-ce que tu vas le réussir, entre guillemets, dans le sens où tu sais jamais quand est-ce que tu vas être sur le P. Du coup, tu sautes jamais à l'avance. Sauf qu'il faut y croire tout le temps parce que. Il faut sauter limite à l'avance, faut limite spammer le bouton pour être sûr de pouvoir sauter parce que t'as tellement qu'une frame où tu peux sauter. À secours. J'ai l'abonné qui se nomme le Père Lachaise. Je suis content. Ah merde. Qu'est-ce qu'on s'éclate. J'ai pas pu sauter. Ah. Oups. Oups. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ben on recommence hein. Et si nous jouions moins ce que nous mourions? N'est-ce pas? J'ai appuyé sur sauter mais pas au bon moment. Parce qu'il faut que j'appuie à la bonne frame. Ou alors j'ai la mauvaise technique et on me le dit pas. Parce que c'est toujours bien plus amusant de me voir mourir. Ouais. Ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Toujours plus amusant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oups. Parce qu'en fait, je dois pas être au bord du P. Oui, mais il faut me dire l'air. Parce que moi, je sais pas l'air, Ticoche. Moi, j'ai pas la musique. J'ai pas pu sauter. J'ai pas eu le P. Je suis vraiment mauvais. Ah, c'est ça, ok. C'est ce que je pensais. Je peux pas sauter parce que je suis nul. J'arrive pas à sauter sur ce P de merde. Parce qu'un P, c'est souvent de merde. Parce que c'est un P, c'est par définition. C'est forcément de merde. J'arrive pas à sauter, je suis une merde. Je n'y arrive vraiment pas. Ça me fatigue. Ça fait une vie que j'y suis. Je n'en peux plus. J'aimerais bien réussir le niveau. S'il vous plaît, laissez-moi sauter sur ce P. Le monde a changé, je la connais pas. Ah, c'est chiant. Mais c'est chiant. Oh, je peux sauter. J'ai pas réussi à sauter. Oui, donc je suis nul. Oui, je suis nul. Oh, j'ai fait un P. J'ai marché dessus, mais j'ai pas eu le temps de sauter parce que je m'y attendais pas. Je suis vraiment triste. Je suis rempli de tristesse. On va mourir 800 000 fois. Ah, c'est non. C'est non. C'est hop. Mais je peux pas sauter en fait. Je ne peux pas. J'essaie de sauter. J'appuie sur le bouton mais il ne saute pas. Il est fatigué. Todd est fatigué. Et il est fatigant à être fatigué. La fatigue. Non, non. Non. Et Trax, est-ce que ma méthode est bonne? Est-ce que tu vois quelque chose d'amélioré peut-être sur mon jumpé? Est-ce que je dois aller moins vite? Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que je dois regarder en arrière? Peut-être pourrais-je avoir des conseils pour réussir un peu mieux ce niveau? Histoire qu'on avance. Qu'on propose autre chose au stream.
Et aux viewers. Parce que là, on s'ennuie, quoi. Quand la méthode est pas bonne. Oui! We did it! On l'a réussi, mais c'est loin! C'est vraiment loin. C'est vraiment très 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 loin. J'ai réussi à sauter sur spé. Aïe, chagala bam boum! Ça progresse, ouais. Maintenant, on joue une seconde de plus à chaque fois. C'est intéressant. On joue vraiment une seconde de plus, hein. C'est vraiment hyper intéressant. Là, je pense que tu vois, en mémoire musculaire, je commence à voir le truc. Ou pas. Ou pas, en fait, hein. Et je l'avais, je ne l'ai plus. Je vais le perdre. Au bout d'un moment, je vais le perdre. Alors, j'ai oublié de lâcher le truc. Les tracks, il ne parle pas, en fait. Je posais des questions et il est parti, c'est ça. Il s'est barré, en fait. C'est ça, le truc. Les tracks, tu es là? Ah non, il est là. Et Trax est là. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Zeket, car sur Rayman Maker, il y a l'option Quick Respawn. Voilà, ça, tu vois. C'est une option qui devrait foutre dans ce putain de jeu de mort. Et que personne ne comprend pourquoi ils l'ont pas foutu, parce que ça doit pas être très compliqué à faire si les développeurs indés y arrivent. Voilà. Bon, je crois que je l'ai, je crois que c'est ça la méthode. Il faut juste que je saute au bon moment maintenant. Putain, c'est un enfer. Un respawn rapide à celle. Oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut en fait. Ça frustrerait beaucoup moins de mourir. Parce qu'on perdrait beaucoup moins de temps dans notre vie. Parce que là, on perd un temps fou, on joue autant qu'on meurt. C'est chiant. Ah ouais, j'ai tellement bien réussi que je me suis cogné au plafond, quoi. Yes. Ah. Bah, tous les jeux où tu die un retry, quoi. Tous les jeux où potentiellement tu die un retry très vite. Ça me paraît une obligation, ça me paraît évident en fait. Mais peut-être que Nintendo ils se sont pas dit tiens, il y a des gens qui vont faire des niveaux assez horribles dans notre jeu. Du coup ils se sont dit pas besoin. Ah ça fatigue putain. Ça fatigue. Ah moi j'y rêve aussi hein. Le quick retry, j'y rêve à mort. Hein. Ouais, parce que déjà, j'en ai marre de faire ça aussi. Start et recommencer. C'est chiant. Mais après, on le fait parce que c'est plus rapide de mourir comme ça que de se laisser mourir. Parce que si on avait une mort, un respawn instant, bon, on cesserait mourir, tu vois. Parce que l'animation de mort est plus longue que le reset. Hein. C'est ça qui est fou aussi. C'est chiant, putain. Pff, aïe, 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 aïe. C'est quoi, je pouvais pas faire mieux parce que si je faisais mieux en termes de distance, j'ai lâché le bouton, bah je prenais le pic en fait. Et je voulais pas prendre le pic, parce que le pic me tuait. Coucou Francis, bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? J'espère que ça va. Ah ouais d'accord. Au moins il y a plus la mort de Super Mario 1 où Mario tombait dans le vide, puis on avait un son qui durait 10 secondes en se terminant par une nana qui chuchotait Super Mario Maker. Y'a quand même des morts qui durent longtemps dans ce jeu. Ouais. Je suis le mec qui est mort le plus loin du coup, je pense. En fait, faut que je sois plus bas. Mon premier. Faut que j'enfonce le P, je crois, au début. Ouais, je pense que je vais gagner, mais. Je m'amuse, hein. Je m'amuse vraiment beaucoup là. Eh le croudi ouais. C'est ça Wapa. Gros niveau. Non le croudi c'est pas croudi non. C'est Etrax je crois du coup. Si c'est son niveau je pense que oui. Putain je peux sauter. Je n'ai pas pu sauter. Bordel de fion. Ah. Je
pourrais reculer, mais le problème c'est que si je recule, Francie, c'est qu'après je n'ai pas la vitesse nécessaire pour aller jusqu'à l'arrivée. Il faut que je le fasse d'une traite en fait. Tu vois, comme ça. Mais le problème c'est qu'il faut que je, faut que je sois plus bas. Parce que sinon je touche le pic au-dessus. Là je dois lâcher le saut. Et si je le lâche, je suis pas assez loin après du coup. Donc là je m'enfonce. C'était presque ça. En fait, faut que je m'enfonce sur le premier P. Faut pas que je fasse un P jump parfait. Ah, par contre. Faut que je m'enfonce, comme ça je suis un bloc plus bas et je peux max jump. Et du coup, je peux avoir max distance. Putain. C'est vraiment un enfer, hein. C'est vraiment... C'est anti-fun. Les antipodes du fun, c'est maintenant. Non, j'ai raté mon max. Ti ta ti ta ta tout, tibididou. Et après, il faut appuyer à la frame pour sauter. À la frame. Il n'y a qu'une frame où tu peux appuyer pour sauter. Une seule. Pas deux, pas trois, une seule. Une seule frame. One frame. One frame. Trop bas. Trop bas, trop bas. C'est lui. Le matroupi l'ami. Ou alors, il faut que je fasse un drop. Pas en max jump. Un drop en mid-air. Mais après, je suis pas assez loin non plus, je pense. Qu'est-ce que je m'emmerde. Merci, Etrax. Hein. Vraiment un plaisir. Hein. C'est vraiment amusant de faire 2 secondes de jeu pour 3 secondes de mort. Hein. Vraiment. Ouais, mais si je perds pas l'élan, à partir du moment où je perds pas l'élan, Francis, c'est comme si du coup je j'allais pas à gauche, tu vois. Je pense que ça, hein. Je peux pas sauter, putain, déjà, faut... c'est chiant. Mais c'est d'un chiant. Après, je sais pas, c'est Trax qui a fait le niveau. Peut-être qu'il pourrait nous dire la meilleure façon de le faire. Histoire qu'on aille plus vite, mais non. Petite musique. Oh oui, Sonic. Son calme. Mais non, on n'a pas le droit d'avoir un indice. C'est non. Merde. C'est tube. Tube, tube. Tube, tube. Tube, tube. Oula. Bah tu te retournes pas pour sauter sur le P. Bah tu te retournes pas, ouais donc c'est... Tu te retournes pas pour sauter sur le P. Tu sautes... Tu avances en sautant et tu lâches. Ouais c'est ce que je fais quoi. Et après t'as plus à la frame. Hein. Genre y'a pas besoin de s'arrêter quoi. Faut vraiment aller max vitesse quoi. Et faut le faire au max jump où tu fais des mids. Parce que moi je fais un max. Mais le problème du mid, c'est que le mid, il va être derrière moi si je lâche en mid, je crois. Alors qu'en max, il est sur moi. C'est l'avantage. Je sais pas. Il m'a dit je sais pas. Mais c'est toi qui as fini le niveau. C'est pas toi qui l'avais aidé. Parce qu'en vrai, là, ce qui m'ennuie un peu, c'est que je suis trop haut à chaque fois. Mais j'arrive pas à faire le P-jump en mid. La musique est forte, quand même. Je trouve aux yeux de maintenant. C'est moi mais j'ai pas de mémoire, d'accord, ok. Quel enfer. J'ai marqué un temps d'arrêt, effectivement, ça passe. Par contre, je touche à l'arrivée quasiment. Ah non. Du coup, j'ai eu plus de frames pour sauter, effectivement. J'entends un mort dans la musique, hein.
Enfin, c'est normal, mais... Elle est forte comparée à d'habitude. Comparée aux autres que je mets habituellement. Je trouve. Ah oui, la fameuse Nintendo, pardon. Tutup, tutup, tutup. Alors celui-ci t'es parfait. Non, en vrai elle est forte comparée aux autres musiques que j'aime habituellement, elle est un peu plus forte je trouve d'ailleurs. Pardon. Apparemment tu dois relâcher le bloc juste avant le pic du saut. Pas pic, ouais un petit peu avant ouais. Mais c'est comme un shell jump, c'est pareil en fait, c'est le même timing. Tu peux aussi le faire en mid hein. C'est ça, c'est comme shell jump, en max c'est comme shell jump. Et en mid c'est aussi comme shell jump mais un peu plus particulier parce que le P il est pas au même endroit après. Alors qu'en max jump, le P il est pile sous toi en fait, donc c'est instant. C'est pour avoir la meilleure hauteur, enfin la meilleure distance. Le problème c'est qu'en faisant ça là, sur ce P jump là, je tape le pic du dessus et je peux pas faire max distance. Du coup c'est ça qui me bute en fait, donc faut que je fasse un pseudo mid. Ou alors que je tombe un peu plus, que je perds des frames pour aller plus haut et plus loin. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves et puceaux. Tant de mystère jamais dévoilé. Pardon. Je suis parti sur un Shaman King là. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai envie de créer un gentil stage pour toi Zeket. Alors si tu peux me dire ce que tu détestes comme les bumpers pour être sûr que je fasse vraiment un stage qui est ailleurs. Ouais je comprends ouais. Tu sais très bien tout ce que je déteste. Hein. Ouais je sais Fancy mais j'arrive pas à faire. Du coup c'est un mid. C'est un mid pigeon quoi. Et j'arrive pas à les faire les mid. J'arrive pas à les faire. C'est comme les mid challenge, je n'arrive pas à les voir, j'arrive pas à avoir le timing à chaque fois. Pourtant c'est plus simple hein, à ce qui paraît, mais moi j'arrive pas. Je n'arrive pas. Promis j'arrive pas. Vraiment. Ah, oh, je me suis arrêté pourtant. Je vais faire en OZF. Et au fait, Ticoche, pas trop déçu du Tetra Osage de notre ami Gnomanin que j'ai fini à. En world record hier. Ça va? Tu t'en remets? Ah oh, punaise. Est-ce que ça va Ticoche? C'est ok? Pas trop de sueur. Ça provoque. Bah attends, il m'a envoyé sa purge ce matin, mince. Enfin tout à l'heure. Ça va. Est-ce que j'aime les GPC? Je sais pas ce que c'est les GPC. Merci pour ton follow, Survival Wakpo. Bienvenue à toi dans la Tots Family. Bienvenue, cher ami. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ah, c'est ça que j'ai pas vu. J'ai regardé le replay, mais t'as eu un écran bleu, non? C'était avant ou après, si tu te rappelles? C'était après. C'était après. C'était vers la fin du live, je crois, quasiment. Ah mais oui sur YouTube y a pas la deuxième partie, je l'ai uploadé tout à l'heure la rediff. Là la rediff doit y être. Mais attends un Mario RPG ici un jour, j'espère qu'ils en sortiront un bon Mario RPG. Je le ferai avec plaisir moi. Qu'est-ce que les GPC Francis? Des bisous Nico, merci d'être resté, des bisous à toi l'ami. C'est gentil. Nom de Dieu. Ok, j'en ai ça, alors, mais j'attends la V3, je vais pas reprendre ton bord de corps, GG. J'ai presque fait un run parfait, sauf que j'ai rebondi une fois sur une scie avec la botte. Bord de corps en plus, hein. Bon, j'ai pas de cool sur ça, moi, hein. Désolé. Niveau suivant et fin de musique, hein.
Quelle version 3 ? Il n'y en aura pas. Je resterai World Record tout le temps. Je crois qu'on a dû me le reprendre, ça se trouve, en vrai. Parce qu'il est prenable. Hein. Niveau de Gnomana. Ben, on va les vérifier, tiens. Niveau de Gnomana. Cette musique qui fait séquence d'infiltration, n'empêche, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai mal au pouce. 967. JCK. JXG. Stage publié. Oh, regardez. Vous avez vu? Alors, je vous montre du doigt, mais vous voyez pas. Ah si, vous voyez peut-être un peu. Si je fais ça, là. Ici, là. Vous voyez, là? Là, c'est mon pseudo. C'est moi. Vous voyez? C'est mon record. Tu vois, Ticoche, là? Ici, là. Parfaitement, juste là. Là, tu vois, je le pointe du doigt un petit peu. Poc, poc. Ici. Mais quel connard, sous équette! C'est ton doigt. C'est ça. Epiphanie. Pas mal, j'aime bien. Merci. Merci pour ton follow, Charlie Darly. Bienvenue à toi dans la Tote Famille d'Amis. Bienvenue. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Vous pouvez m'appeler? Vite, toi, cours. Mais bon, il fait les gâteries. Oh, je connais pas le... Je crois que ça... Je connais pas. Non, je... On va le faire. Après, tu seras triste si je prends ton bras de corps. Non? Non, ça va, moi je m'en fous des bras de corps. J'aime bien parce que ça sale les gens, mais moi je m'en fous, je suis pas salé. Moi je m'en fous. Moi je le prends juste pour saler les gens. Après, si on me le prend, bon, ça me dérange pas. Il faut que je cours, je crois. Je crois qu'il faut que je cours. Faudra-t-il que je cours tous les jours? Ah, mais c'est pas fini. Je suis trop con. Personne ne pourra prendre le false car, ça c'est sûr. Il se fout de ma gueule ou quoi? Il me bait, il n'y a pas besoin de se baisser. Je me suis fait bait là? Ou je rêve? Est-ce qu'on se fout de ma gueule là? Clairement, ouais. On se fout clairement de ma gueule là. Il se fout de ma gueule! Pas besoin de se baisser. Là j'aurais dû sauter par contre. Ah non, j'ai rappelé une fois trop. Si vous voulez, je vous crée un speedrun dédicacé pour vous défier les deux là. Si tu veux, y'a pas de problème. Avec plaisir, tu peux. Vaut mieux l'épiphanie que l'épiphanée. Oui, ça c'est sûr. Moi j'aime bien les deux parce que les deux on mange. Et moi j'adore manger. Je dirais pas comme ça, mais j'adore manger. Ouh, c'est World Record ça. Hein. Ouh, ça c'est World Record. Ça c'est World Record, ça c'est sûr. Ça c'est World Record ça. Hein. Ça c'est World Record ça. Hein. Ça c'est pas World Record du tout ça. Mais pas du tout hein. Ah, mais pas du tout, hein. Vraiment pas du tout, hein. Mais comment il fait? Mais je suis allé vite, pourtant. Je mets un coup, c'est très cool comme niveau. Très très cool. J'aime beaucoup. Tu verras, si tu as des enfants un jour, tu oublieras vite ce que ça veut dire prendre du plaisir à manger. Ah oui, parce que du coup, il faut faire à manger. Pour les enfants. Et du coup, il faut leur donner à manger aussi. Ah, ça. Non, mais... Tu... Enfin, c'est bien, tu vois. Ah Bastien, il était pas... Ouais, il est... Il a dit non. Le World Record, c'est moi qui l'ai. Niveau suivant, niveau de The Only Human. Oui. Ou alors tu manges les enfants. Oui, mais tu peux le faire qu'une fois, ça. Enfin, tu peux le faire qu'une fois. Tu peux les manger en entier qu'une fois. Tu peux les manger sur plusieurs repas, bien sûr. Parce que bon, manger un enfant, selon la taille, bah t'as plus à manger, enfin t'en as que plus que pour un jour. Voilà. Mais ne mangez pas les enfants, parce que c'est pas légal, hein. Sachez-le. 9 DQ, 5 CG. Après, ça a peut-être bon goût, je sais pas, hein. J'ai jamais mangé d'humain, mais... Je suis pas sûr que c'est bon goût, mais...
2-2 Fox Shoot Ascent. Race again the auto scroll. Ok. Le mec, son pseudo, c'est un carré au carré. Ok. Et en plus, oui, c'est vrai que si t'attends que l'enfant grandisse, tu as plus à manger. Mais le problème, c'est que plus il grandit, plus ça te... Enfin, il faut le supporter, tu vois. C'est chiant. Faut dire, c'est chiant à supporter, quoi. Il a peur des strikes liés à la musique, il te parle de manger des enfants dans le plus grand écal. Oui, mais ça, c'est une vanne. Personne... Enfin, c'est évident que c'est une vanne. Ça passe, tu vois. Enfin, c'est une vanne. Je vous ai jamais dit de manger des enfants, tu vois. Moi, je prends les pièces parce que le pognon, c'est de l'argent. Hop là. Mais ne faites pas ça chez vous, hein. Enfin, pardon. Ne faites pas ça tout court, hein. Parce que c'est pas chouette de manger des enfants, ça fait mal. Enfin, après, ils sont plus en vie, quoi. C'est le problème. J'ai mon nez qui me gratte. Ah. Ah oui, c'est les couleurs, en fait. Est-ce que c'est bleu ou est-ce que c'est quoi la couleur? Non, je suis team premier niveau, j'ai envoyé mon neveu. Ah! Ah! Bon, bah j'ai une cave, hein, c'est bon. Il ira avec tous les autres. Merde, je vais arrêter là, je vais me faire strike. Je ne mange pas les enfants, voyons. C'est la couleur bleue, je crois, la bonne couleur. Attends, bleu, blanc, violet. Bleu, blanc, gris, bleu. Bleu, blanc, gris, bleu. C'est bleu, blanc, gris, bleu, du coup. Bleu, blanc, gris, bleu. Bleu, blanc, gris, bleu. Quoi? Pourquoi il y a deux flèches, là? Il me dit blanc et gris. Ça veut dire que blanc et gris, c'est pas bon. Donc c'est bleu. Je vais faire une erreur. À l'aide! Attends, mais c'est vraiment fini pour moi? C'est genre vraiment la fin de ma vie là? Ah ouais. Ah oui, c'est. C'est bon, ils en ont les deux cartes. Ok, t'as mis du temps à me répondre. Genre, tu les as appelés pendant une heure et demie. Ah, ils étaient en pause aussi, c'est la pause bien, mais ils t'ont pas répondu, peut-être c'est ça. Du coup, on y va pour 14h? Ok. Bah, fin du live à 14h alors, les amis. Non, en vrai, je comptais arrêter vers 14h dans tous les cas. Parce que lui, il va vouloir jouer à la Switch. Switch qui s'appelle... Enfin, pour le jeu, il s'appelle Monster Hunter Rise. J'ai le pouce défoncé, les gars. Je vous le dis. Tu joues ce soir avec Claude? Ah. Putain, je comptais tester la place, vraiment. Merde. Bobby, pas comme ça. Yo. C'est bon. Après, on fait du puzzle sur le PC. Ouais, bon, ça va, la carte graphique, c'est pas trop compliqué. Par contre, je fais surtout du puzzle dans mon portefeuille. Hein. Ça, par contre, pour acheter une 3080, après, tu fais un grand trou dans ton portefeuille. Et malheureusement, il faut le combler. Du coup, faites des dons. Hein. Des dons, des subs, n'hésitez pas. Hein. L'argent, le pognon. Toujours l'argent. Niveau suivant, et je vais close la file du coup, parce que 14h c'est dans peu de temps quand même. Ah non, je vais pas close la file du tout, hein. Il y a qu'un niveau dans la file. Je close pas encore, my bad. Niveau de Francie. Est-ce que je peux faire une blague avec ton pseudo, Francie? Parce que en vrai, il y a un truc qu'on est censé manger, enfin qu'on était censé manger il y a quelques jours. C'est qu'à peu de choses près, on aurait pu, tu vois, manger une frangipane. N'est-ce pas, Francie? Yes! Allez hop! Merci, j'arrête là maintenant du coup. Bye, you à lundi! PKN. KPX, je connais ça, c'est un idée de profil. PBG. J'espère que vous avez pas noté la blague qui était nulle à chier. Eh oui, ouais, mais c'est nul, c'est même pas une blague, c'est ça. Il fallait pas la relever. Frozen Walk! Frozen Walk! Y'a pas? Y'a pas? Excusez-moi, mais y'a pas ton niveau? Frozen Wolf, y'a pas? Y'a pas? Attendez, je suis bourré. Au-dessus, je l'ai raté. Je suis bourrax. Je suis bourrax à max. Ah, Frozen Wolf. Créature way
Ah pardon, Creature Way Through the East Amateurs. Coucou Sonai, bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Est-ce que tu pètes la forme? C'est ça que je dois faire ou... Attendez, j'ai pas compris, je dois vraiment marcher dessus en fait. Mais non, je suis complètement idiot, mais je suis complètement stupide, non? C'est dur quand même. Attendez, mais c'est pas facile, non? Mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Mais c'était bon. Mais pourquoi il me dit ça alors? C'est stupide. Putain, j'aurais pas sauté. Mais c'est stupide ce début de niveau. C'est stupide, non? On doit damage boost volontairement. Je trouve pas ça fou. Ah merde, il y a un pic au-dessus. Très bien. Surtout que j'ai mal au pouce, hein. Et typiquement, ça me fait des gauches-droites avec mon pouce et ça fait très mal. Ah, le pic au-dessus. Mais je peux pas le... Non, je peux pas, c'est impossible. Je suis obligé de le perdre, là. Sur la liane, je suis obligé de perdre le casque, hein. Sur la... les deux pics, en bas. Je suis obligé, hein. Oh, c'est Rodeo, non mais c'est quoi ça? Ah, faut que je vois le jump sous le pic. Mais quel enfer. Mais attendez, mais Oh! Oh! Je veux jouer moi. Ah mais du coup c'est plus simple avec le chapeau. Ah ouais d'accord. Parce que là je peux faire un max par exemple, sans me faire chier. Oula. Mais je veux tomber par contre. Non je veux vraiment tomber. Bah oui je peux pas, ah oui. Le casque me protège, ouais c'est plus simple avec le casque le niveau que sans le casque. Ouais, par contre il me protège pas sur le côté. Quelle merde. C'est un enfer. Oh non, pas comme ça. Oh mais c'est super dur, hein, mec. Attends, mais il y a eu... Enfin, Comment? Mais c'est dur, hein. C'est pas une blague, hein. C'est pas facile, hein. C'est difficile, hein. Pourquoi je dois me coltiner ça? Mais prends le chapeau! C'est une blague! Il faut Ground Pound Cancel, ah c'est ça. Comme ça, ça me casse les couilles de Ground Pound Cancel, moi. Je te laisse ça. Hein. Jouer, Jack. T'es mauvais. Ah. Ah ouais, non mais faut peut-être faire le wall jump aussi, non? C'est peut-être mieux en fait. J'ai l'impression que c'est mieux de wall jump. Mais... Il prend pas le chapeau! Mais c'est fou! Comment ça il déconne? Tu déconnes de quoi? T'as rien dit? Duxna, pardon. Bien le bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Comment ça tu déconnes? Ah, bouh! Ah, bouh, t'es nul! Ok, non, pardon. Salut, ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Par contre, je fais un autre niveau de toi, hein, parce que celui-ci, c'est hors de question. Moi, les Ground Pound Cancel, c'est quelque chose qui me casse le pouce. Et honnêtement, vous pouvez pas le voir, mais j'ai toujours un bout de poil dans mon pouce. Hein, et ça fait toujours très mal de faire des gauches-droites. Hein. Ça me casse le pouce. J'ai mal. Mon bout de poil ne s'est toujours pas enlevé de mon pouce. Non, c'est chiant. Ouais, c'est marrant ça. Attends, on va faire celui-là. Coupe ton... Non, si je coupe mon pouce, après j'ai mal.
Enfin, je peux plus jouer après, en plus, c'est pas... Alors, on fait celui-ci, du coup, c'est bon, ça te va? On le fera une prochaine fois, l'autre, hein. Infested Garden. Pas de soucis, hein, Francis, t'inquiète. Aucun souci. Aucun problème. Ah, par contre, oui, il faut que je le garde. Ne soyons pas stupides. Pardon. Ben, en fait, je savais pas que... Pardon. Petite musique de Zion Human après. Par contre, pour quelle raison je garde mon pot? Je comprends pourquoi je le garde. Oh, le wall jump là! Pourquoi je le garde? Je vais pouvoir faire tourner Mario Maker en 2 en 4K avec ma 380. C'est clair, je vais pouvoir faire ça. Ça va être fou. Ça va être incroyablement pareil en fait, ça. Pourquoi je le garde à l'infini le truc? Parce qu'il y en a dans un bloc à chaque fois? Non. Je comprends pas pourquoi je le garde. Pourquoi je le garde? Vous savez pourquoi je le garde? Vraiment, je comprends pas. C'est un bug? Non, non, parce qu'il y a... En fait, t'as 3 utilisations et après il disparaît normalement. Et j'en récupère pas, je sais pas comment je les récupère les utilisations. Je reste à 1 tout le temps et je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je le garde. Très cool comme niveau en tout cas, très sympa. Mais faut que tu m'expliques pourquoi on garde le casque. C'est un bug. Ah d'accord, c'est un bug. C'est vraiment incroyable ce jeu vidéo. Il y a des bugs partout. Partout il y en a. Non, non, parce que le bloc c'est des pièces, Damien. C'est pas. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment un bug en fait. Je crois que c'est parce qu'on doit se déplacer trop vite. Ou alors on récupère. Ou alors on fait trop d'actions et du coup le jeu il comprend pas qu'on a tapé avec notre peau, je sais pas. Je comprends pas, c'est très bizarre. Niveau suivant en tout cas. Niveau de Gnomana. Et on va close sur ça, je pense. Nous closons la file. Nous closons la file. Je sais pas, j'ai pas trouvé le bug. Ok, c'est vraiment bizarre en tout cas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Petite musique de Zion et Human aussi. Oh, t'as dit que j'allais time up? Oh, t'as dit que j'allais time up, Ju? T'as vraiment fait ça? Non. T'as pas pu.
Une musique de reportage sur le pangolin. Non. Mais ça pourrait un peu. Putain. Shenmue 3 aussi. Il faut que je fasse l'amour au trempeau, ouais. Tétiti. C'est bon, c'est win. Ok, là on est bon. Trampophile va, un peu. J'adore les trampolines. J'adore ça les trampolines. C'est excellent. Ok. Et c'est win, putain de merde. Attends, y'a quoi là, c'est déjà. Ah c'est bon. C'est win, c'est full win, je crois. Ça ne peut pas arriver maintenant. Ça ne peut pas arriver maintenant, non? Il est facile de s'envoyer en l'air sur trampoline, c'est vrai. C'est pour ça que je suis trampophile. Par contre, pourquoi je suis mort là? Connard de jeu, va. Je suis Zazin. Je deviens fou. Moi, je perds du temps là. Incroyable, hein. Fou, incroyable, hein, j'avoue. C'est là où je perds du temps à faire un mag jump, je crois. Je perds un peu de temps ici. Yeah, motherfucker! Et voilà! C'était facile! Ah, il manque. Ah, Ticoche, il a loin record, je peux pas lui prendre! En vrai, j'ai pris une pente en trop. Il y a une pente que j'ai trop prise. C'est un très bon niveau, j'aime beaucoup. C'est World Record, c'est Ticoche, ouais, exact. Petite vengeance. Hein. Niveau suivant, niveau de The Only Human, c'est le monde de Roboros. En espérant qu'on reste pas 3 vies sur le niveau. Mais quel beau gosse, Zeket. Mais t'as vu ça un peu, Sonai? T'as vu ça un peu? C'est fou. C'est hallucinant. Attends, mais t'as voté quoi? Est-ce qu'on peut éventuellement s'attarder sur la gueule de Todd? Ouais, tu dois avoir confiance en moi, j'ai réussi. Allez, avouez maintenant, vous remettez en question.
Alors c'est la pire façon de mourir, hein, vraiment. La pire, hein. La pire. Sinon tu prends une deuxième boule dans les mains avant d'y aller. Oui. Oui c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai qu'on peut faire ça, ouais. Je suis un peu con, hein. M'en voulez pas. Est-ce qu'il faut que je prenne la clé ou pas? Ou est-ce que la clé c'est un bonus? Je pense que je vais pas prendre la clé, hein. On m'a dit c'est un bonus. Mais s'il faut la prendre, eh ben tant pis, je quitterai le niveau. C'est effrayant. On peut avoir un checkpoint peut-être? Non? Faut trop demander un checkpoint. Il faut deux boules. Hein? Et comment je prends deux boules moi? FDP. Coucou Xav! Bonsoir à toi l'ami, comment vas-tu? Mais c'est... Hein? Mais c'est ça, fallait que je la jette en fait. Pff. Les checkpoints, on se les fait où? On se les met où les checkpoints? Dans le cul non? Sans déconner. Bien niveau de merde ça aussi encore. Hein. Ça va bien Xav, tranquille, tranquille. Ça va, ça va. Oh. Fais gaffe dans quel sens tu le rends de checkpoint. J'avoue, il y en a un, ça va faire plus mal, ouais. C'est probable. J'ai failli fail, hein. Ok. Non. Bah non en fait, pourquoi ça a fait ça? Super intéressant ça. Est-ce qu'on peut finir un niveau maintenant? Bordel le fion. Ah la foutre. Ok. Bon, c'est particulier quand même, hein. Le niveau est cool, mais c'est frustrant de mourir. Fin de musique, au passage. Et niveau suivant, le monde de Sonai. Mais on en fait qu'un niveau par contre, parce que je dois y aller, Sonai. Like a boss.
Da-da-da-da-da. Niveau suivant. Hop là. Tu. Sonai. Je peux avoir à boire matelot gratuit parce que je suis le boss? Ou parce que t'as soif? Non, j'ai pas soif. Mais tu peux l'avoir si tu veux. Voilà. Je te bois de l'eau si tu veux. Bah, je bois deux gorgées du coup. Ah, pourquoi tu voulais me voir boire de l'eau? De l'eau invisible? Qui disparaît? Ta-ta-da-ta-da-ta. J'ai déjà fait ce niveau, je crois. C'est pas grave. Une chance sur 4, je trouve le bon. Excellent. Je crois que le jeu était prenable, mais c'est pas grave. On se dépêche. On a déjà fait ce niveau. C'est une certitude. Tu l'as un peu modifié? Honnêtement, je m'en souviens plus trop. Parfaitement. Mais j'ai des bons souvenirs en tout cas. En même temps, j'ai toujours des bons souvenirs sur tes bons niveaux, sur tes niveaux à toi. Ils sont toujours très très bons. Ok. Mais toi, tu vas adorer. Ah. Parfait, ça. Ce sera pour lundi, du coup, pas demain, parce que le demain, on est samedi, mais ce sera pour lundi. Lundi, lundi, lundi. Tac. Excellent niveau, comme d'hab, Sonai. C'est la fin pour aujourd'hui du coup, c'est une petite session aujourd'hui parce que je dois bouger mon fion. La queue est close, ouais. C'est terminé pour aujourd'hui, Sonai. On sera de retour lundi à midi. Lundi, lundi, lundi. Je dois bouger mon fion, ouais. Je dois bouger mon derrière. Je dois aller avec mon frère chercher un achat. Du coup, je dois vous laisser, je dois vous abandonner là-dessus. Bon, courage, ça va. Pas trop besoin de courage. Enfin, si, parce qu'en vrai, mon portefeuille va avoir un gros trou à l'intérieur. Il va se dire, hé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Du coup, voilà. Je vous fais à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi. Je vous fais des zoubis. Portez-vous bien. On va aller raid quelqu'un. On va aller raid Mixui, tiens. Mixui est en live, je crois. Elle a dit tout à l'heure. On va aller raid Mixui qui joue à Kingpin Life of. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo? Ah, c'est un vieux jeu! Qui a dit que c'est un jeu pour mec? Le jeu rame un peu, j'ai l'impression. On va aller raid Mixouille. Ça va les faire bizarre. Allez, zou. Salut à toutes et à tous, une excellente fin d'après-midi. Portez-vous bien et à lundi midi, Mixouille 89. C'est nouveau, mais on dirait un vieux jeu, c'est marrant. Vous lui dites quoi? Vous lui dites Vous lui dites rien? Vous restez? Rien de spécial? L'étoile d'orage arrive? Ouais, par exemple. Je sais jamais quoi dire en vrai. Moi, ça c'est. L'étoile d'orage arrive. Voilà, les où? L'étoile d'orage arrive. C'est copier-coller. Et c'est parti. Des bisous à toutes et à tous. Portez-vous bien. À lundi. Salut! Ta tu du ta tu du da. Au revoir.